yoga. Il est 7h du mat. J'ai pas dormi. Si j'ai dormi quelques heures en vrai. Là, je suis à la gare principale de Taipei pour prendre un tour. Enfin, pour aller dans un bus, quoi. Pour aller faire un tour d'un parc national, un tour guidé. Je me suis dit que c'était mieux parce que le parc il est assez loin de Taipei. Et du coup c'est genre quasi impossible d'y aller seul. Ou en tout cas faut prendre plus de temps quoi parce que c'est loin. Et du coup voilà, je suis à la gare, on va partir dans 15 minutes. Voilà. Ça va être fun, je vais vous montrer tout ça. Normalement c'est super beau comme endroit. Et voilà, ça va faire un peu de sport, un peu de balade. Voilà, voilà. Dans mes vlogs, j'aime trop. Genre, c'est tellement l'opposé de moi il y a genre 4 ans, 5 ans. Regardez, il fait super beau. C'est le retour à la jungle. Vous voyez, elle crie encore. Mais bon, là, c'est ma faute, maintenant je suis dernière. Et là on va dans Shallow Grotto. Et on a tous des petits casques. C'est pas que c'est dangereux, c'est juste qu'il y a des petits cailloux qui peuvent tomber. Donc c'est pour
pour se protéger quoi. Du coup on est dans la grotte là. Tous les petits casques. Arnaud, il saute de l'autre côté sans problème. Superman. Je pense que en Corée je vais faire l'effort d'aller me baigner à la mer quand je peux. Que ce soit Jeju, Busan ou Gangneung. Super beau. C'est vraiment genre les limite les fonds qu'il y a sur Microsoft, vous savez. Franchement c'est quand même incroyable d'être là parmi les montagnes. Je sais pas si vous voyez, là il commence à faire sombre, la petite lune là. Et c'est trop fou. Voilà, c'était la petite excursion à Taroko National Park. Très stylé comme endroit, très beau. Ça fait du bien d'être dans la nature. Après je vous avoue que les tours guidés c'est vraiment pas pour moi. Genre là on était un groupe de 40. Et la guide elle criait dans tous les sens parce qu'elle n'arrivait pas à gérer tout le monde et les gens ils écoutaient pas, enfin c'était relou. Donc moi je préfère être tranquille, faire mes petites visites en solo et c'est mieux. Mais au moins ça m'a permis de voir cet endroit parce que je l'aurais pas vu sinon si j'avais pas fait ce tour. Donc voilà, très cool, j'espère que ça vous a plu aussi. Et je vous dis à très vite pour le dernier vlog de Taïwan. Et oui. On a déjà fait 2 destinations sur 4, ce qui est très bien. Donc voilà, gros bisous, prenez soin de vous. On se voit très bientôt. Je vous aime fort.